Bonjour, je m'appelle Marie-Christine Debac, j'habite Montmorency depuis maintenant presque 30 ans et je vous annonce la sortie de mon ouvrage intitulé L'improbable rencontre. Ce sont des personnages qui se connaissent ou ne se connaissent pas, se croisent, ont le sentiment que quelque chose les lie. Et puis, il y a deux personnages qui sont un petit peu différents des autres, qui, eux, ont un rôle particulier. Ce roman est né d'une retrouvaille, dirons-nous, avec un ami de lycée qui, à l'époque, écrivait. Et puis, il y a à peu près 6 ans, il m'a retrouvée et nous avons repris contact. Et quand nous nous sommes revus, je lui ai demandé si lui continuait d'écrire. De là, je lui ai posé la question, et si on écrivait un roman à quatre mains ? Avec deux seules contraintes, déjà rien d'autobiographique, bon, et puis ne jamais nous en parler. Je leur ai envoyé non pas un manuscrit, mais deux manuscrits, avec une réponse positive où les éditions Spinel disaient que le comité de lecture avait accueilli favorablement l'improbable rencontre et qu'ils se proposaient de l'éditer à compte d'éditeur en plus. Dans le rôle du personnage principal de Luc, je voyais un acteur qui s'appelle Éric Delcourt, qui est principalement un acteur de théâtre, donc j'ai appelé son agent. Je lui ai fait parvenir le livre. Je suis décidément assez obstinée. Et la deuxième étape, c'est que dernièrement, j'ai envoyé l'improbable rencontre à Albert Dupontel. Et je me suis dit que si quelqu'un devait un jour adapter au cinéma l'improbable rencontre, ce serait lui.